Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de la Voix des âmes de ce jeudi 25 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Aujourd'hui, j'ai pigé bientôt. Eh bien, ton âme te dit, une part de toi-même peut être très impatiente. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant, et tu peux avoir des difficultés à attendre. Ça, c'est une distorsion, n'est-ce pas, l'impatience. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes. Il y a comme une course contre le temps, contre le temps. En ce moment, je t'invite beaucoup à accepter le rythme des synchronicités extérieures. Et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies. Car tes énergies, elles circulent trop rapidement. Tout est trop rapide. Alors pour te connecter à moi, prends le temps chaque matin de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Cela va te permettre d'écouter mes messages et mes conseils. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Parce que très bientôt, tout va prendre un sens. Ne sois pas impatient. Sois patient, patiente. Tes guides, nous sommes très nombreux autour de toi. Et tu ressens notre présence. C'est évident. Nous sommes là. Nous sommes là pour te guider et te protéger dans cette phase qui est très intense pour toi. Tu es dans une énergie, où beaucoup de choses changent, que ce soit dans ta vie intérieure comme extérieure. Tu peux avoir l'impression de prendre de nombreux risques. Et tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de choses à faire en peu de temps. Cela te donne une charge mentale qui peut être assez forte. Aujourd'hui, nous t'envoyons de très nombreux signes sous forme d'heures miroirs. Es-tu réceptif à cela ? Le but est que tu puisses créer une nouvelle relation avec le temps. Le temps n'est pas ton ennemi, n'est-ce pas? Le but est que tu puisses canaliser tes énergies pour être dans une nouvelle organisation et pour que tu puisses aussi avoir des moments rien qu'à toi. Tu peux avoir l'impression que tu dois courir de plus en plus vite. Même si le rythme extérieur s'intensifie, tu peux avancer avec confiance sans être dans une dispersion d'énergie. Alors, prends conscience de la symbolique des heures miroirs. Cela va te permettre de sentir notre présence et cela va te permettre d'avancer, n'est-ce pas, avec plus de confiance et de sérénité. L'entité, le moment n'est pas venu pour que nous puissions communiquer. C'est trop tôt. C'est trop tôt, aussi bien pour toi que pour moi. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas là, n'est-ce pas? Je suis bien présent. Présente, mais ce n'est pas le moment.
Je suis en train de me libérer d'anciens poids émotionnels. Et je t'invite à faire la même chose. Il y a beaucoup de poids que tu portes qui ne t'appartiennent pas. Et cela t'empêche, eh bien, de te connecter complètement à ton chakra du cœur. Cela peut te donner une image négative de toi, des autres et de tout ce qui t'entoure. Alors, eh bien, prends le temps de comprendre la source de ce poids intérieur que tu as. Prends conscience que même si nous ne communiquons pas, je suis quand même auprès de toi. Prends conscience que ce moment de partage arrive très bientôt. Et tu vas ressentir ma présence par un signe très concret. Le doute ne sera pas permis. Mais pour l'instant, c'est toi qui es important, importante. Libère-toi. Libère-toi et prends soin de toi. Le reste, eh bien, le reste sera ensuite lumineux et limpide. On termine avec la guérison des 5 blessures et aujourd'hui, j'ai pigé trahison. Je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé. Quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimée et acceptée. Si au moment de l'avouer, eh bien, j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur, d'être jugée, de faible et surtout de faire profiter de moi. Je vous souhaite une toute belle journée. On se retrouve demain avec un nouveau message de la voix des âmes. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et pour ma part, je vous embrasse. À demain.